Merci à toutes. Très contente de vous retrouver à nouveau pour un nouveau projet. On y va? La dernière fois, nous avions fait ce petit bonnet très facile et très simple. Ensemble, nous avons fait le patron et je vous avais proposé la taille 6 mois. Certaines personnes désirent avoir des différentes tailles. Avant de vous donner tout simplement un tableau de mesure, ce que vous pouvez très bien trouver partout en cherchant sur Internet, ce qui est important, c'est comprendre comment prendre les mesures. Très simple. Le tour de tête de votre bébé, vous rajoutez 2 cm. C'est ce qui va représenter le diamètre de la tête. Quant à cette partie, qui est la profondeur, c'est du front, tout simplement, jusqu'au milieu du crâne. Idem, vous rajoutez 2 cm. Et maintenant, passons à la gradation. La gradation, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est tout simplement graduer. C'est obtenir les différentes tailles. Alors tout d'abord, nous allons faire un patron de base de taille 6 mois à partir d'un rectangle 21 cm sur 14. Tracez le milieu du rectangle. De ce point vers le bas, tracez une ligne parallèle de 2 cm. De ce point-là vers le bas, 8 cm. Et ce point vers le milieu, 7 cm. De ce point à celui-ci, vous allez venir et arrondir légèrement. Tracez une courbe, donc ici sur le milieu, et en même temps, ça va représenter le droit fil. Pliez sur cette ligne, épinglez et coupez tout autour. Tracez une ligne qui représentera le milieu et le droit fil. Et à nouveau, à l'aide de votre équerre, tracez cette ligne. Pour la gradation, nous allons utiliser que la moitié du patron. Nous allons reporter les mesures suivantes. 9,25. Ici, 9,25. De là à là, à nouveau, 10,75. 11,25. 12 et 12,5. Reportez cette mesure donc du bas vers le haut qui est de 12 cm pour retrouver cette ligne. 12 cm et tracé. Sur cette ligne, vous allez reporter 5 mm 4 fois. 5 mm de cette distance à cette distance, vous avez 5 mm. Encore 5. Toujours la même chose. À chaque fois, vous reportez 5 mm. Donc nous sommes d'accord, la ligne de base, elle est de 6 mois. Donc là, je veux 9 mois. Je vais repositionner le patron ici et je passe sur cette ligne et tracer. Et vous n'aurez plus qu'à venir joindre cette ligne en continuité pour arriver au sommet. Vous avez fait la taille 9 mois. On va faire la même chose avec 12 mois. On se positionne sur le point ici. On met le patron de base, le 0,5. On trace. Et pareil, juste joindre ce point au sommet. Et on passe à 18 mois. Donc 18 mois, on avait dit du milieu jusqu'à là, 12 cm. Donc vous allez positionner votre patron de base ici, sur 12 cm. Et sur les 0,5 que nous avons ajoutés. Positionnez convenablement et tracez. Arrivé là, la même chose, joindre le sommet. Je pense que là, ça commence à être clair. Là, on a dit 24 mois. Donc de là à ici, nous avions mis 12,5. La même chose, mon patron de base. Je le positionne, je me mets toujours pareil, 0,5 plus loin et je trace. Si vous n'avez pas de règles, ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien le faire à main levée. Aucun souci. Donc vous avez compris, ici c'était 6 mois, donc la base et tout ce que nous avons fait de là à là, on a fait plus, donc on a agrandi. Ce que nous allons faire maintenant, si on se met de là vers l'intérieur,
C'est logique, ça va être plus petit, du milieu vers l'extérieur, pour 3 mois, 9,25. Vous allez faire la même chose ici. Vous allez ressortir du 5 mm et procéder de la même façon. Positionnez votre patron de base et tracez. Je pense que c'est clair. Quant à cette partie, celle que j'appelle la fantaisie, qu'on retrouve ici sur le patron, c'est très simple. Continuez cette ligne, celle du milieu, la ligne de base, donc de là à là, cette longueur, ça fait 15 cm, de là à là, d'ici à ici 2 cm, et c'est quelque chose de très simple à faire. On arrondit légèrement en haut, on descend et on va joindre le patron désiré. Voilà, rien de compliqué. Passons maintenant à la bande. Tracez une ligne droite qui va représenter le milieu et le droit fil. Toujours. Votre bande, plie en deux, milieu avec milieu. Tracez. Ça vous fera un rectangle de 15,5 sur 10,5. Prolongez cette ligne et cette ligne et reportez 5 mm pour chaque taille. Vous faites la même chose en bas, 5 mm à chaque fois, et tracez. Pour agrandir la profondeur du bonnet, c'est très simple. À partir de votre ligne de base, ce qui concerne la taille 3 mois et 6 mois, ça sera la même, ici, le même niveau. Et pour tous les autres, ajoutez 1 cm par taille. Donc, conclusion, on ajoute 1 cm pour 9 mois, 2 cm pour 12 mois, 3 cm pour 18 mois et 4 cm pour 24 mois. N'oubliez pas, pliez sur la ligne du milieu. Une fois épinglé et coupé tout autour, ça vous donnera votre patron fini. J'espère que ce tutoriel va vous aider pour mieux comprendre la gradation. Voilà, alors en attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous!